dans le cadre gratuit, on a bagué pour nous développer pour vous. Voilà, la police continue à mener l'opération après zone Bel Air, et bien c'est tout pas zone Bel Air, dans la ville là. La police déploie entre base ISO avec base et M. Basilatio. Et sans oublier, au niveau de l'Ogan, c'est tout bel capturé. Après tentative, M. Bouba fait pour envahir l'Ogan. La police n'a pas eu la peine de gouverner au niveau localité La Colline. Et sans oublier là, Mouna Tibonite qui annonçait, et bien le 11 septembre, cabinet là, il a passé pour la police pour qu'il soit capable. On nous partit directement dans le cadre opération la police qui a mené là et nous bien content j'en note dit et monsieur Bessapio nous connaît l'an mouyo pour pays et nous dit que oui faut nous mettre monsieur dans opération yo, mais c'est pas simplement utiliser Bessap non faut nous reconnaître travail Bessap a fait là et puis faut nous payer monsieur normalement je dis à la Bessap a caprisqué ville Bessap non toute opération mais yo pas vle pour média parler de ça yo pas vle pour journaliste là dit que même c'est Bessapio là a bay sang yo a bay vie là pour payer pendant ce temps ou dans des gouvernements pas même reconnaître monsieur on nous fait bagarre là avec principe avec discipline Bessap a fait sacrifice qu'on y a là et monsieur on nous prend info pour nous et en pile opération pile tirer qui gagne là qu'on y a là et bien dimina commencer avec opération n'a commencer avec information yo au niveau et bien opération la police déclenchée dans plusieurs zones plusieurs communes en pays là et notre plus précisément dans l'aire métropolitaine là voilà après opération la police déclenchée au niveau quartier Solino et Bel Air. Et bien, nous, jeudi samedi, là, la police finalement déployé toute force dans plusieurs communes. Et la police pas seulement été au niveau de Port-au-Prince. Nous, comme on dit, jeudi samedi, à la Dimi, gagné de très tôt dans la matinée. La police déployé là dans la zone en bas de la ville. Là, vous voyez les zones des cimetières, zone où il y a l'alerte, zone des stades Studio 14. La police a fait déploiement, il y a envahi zone. Et oui, elle allait côté que pour les zones sans, c'est limitrophe entre base Pilate et base Isoa. Et bien, déjà, en pile tiré, il y a plusieurs monde qui tapent en balle, mais monde qui a passé pour balle parce que c'est un échange de tir. Nous, on est dans une zone sans, il y a également, mais c'est Pilate, qui a même gagné cathédrale au niveau de Gravine, qui habite déployé là. Et bien, là, on a parlé là, c'est en pile coup de balle capturé. Et bien, nous avons même demandé à monde pour ne pas passer dans une zone parce que il déclenche là, une zone qui est très fragile. Et dans le moment, il n'a pas les là. Nous sommes capables de dire la police qui, toutefois, non, est très déterminée par rapport à notre opération. Là, mon ami, même l'idée de lancer, et bien, encore une fois, dans le temps, dans les prochaines heures, pour nous capables de prodiguer par rapport à l'information partielle, combien de messieurs qui sont tombés. Mais toutefois, déjà, nous confirmons qu'il y a un dommage collatéral. Et bien, nous parlons de Port-au-Prince, en bas de la ville avant que nous traversions au niveau commune Léogane, pour nous dire que nous, qui s'est passé plus précisément au niveau commune Léogane, pour nous dire qu'il n'y a pas doucement, n'a pas les règles. On a été Léogane, Nainol, par rapport à ce qui a passé Léogane, Kounia là. N'a pas quitté la commune Port-au-Prince pour que nous puissions entrer dans la commune Léogane. La commune Léogane, c'est une commune qui a été visée depuis bien des temps. Si, qui a frappé sur le national numéro 2 à proximité de Gressier, Mariani, mais il était tenté de rentrer Léogane, dans zone, plus précisément dans la zone La Colline. Ben, après, M. Devine envahit la zone La Colline parce qu'il a fait prendre Léogane, unité dans la police blanche, et Tanko Boyd et Agent Brie, plusieurs autres unités supplémentaires. Ils ont envahi la commune Léogane pour qu'il y ait topé qu'on a avec bandits qui ont même sorti au niveau Gressier. Non, on n'a pas eu dans la zone de la colline. Population mélangée avec la police, agent de sapeur déterminé. Et nous, agent de sapeur, seulement 77 fois, ils n'ont pas livré Léogane par les bandits. Eh bien, agent de sapeur, qui fait un seul avec la police, non, on n'a pas eu là, qui a fait une opération, qui a cherché en bas tout réagir, en bas tout petit coin, et déploiement, quelques même gang, bout de bain, c'est fait au niveau Léogane, plus vieillement dans la colline. Eh bien, nous, comme on dit, c'est une question de temps pour que nous soyons capables d'informer combien de messieurs sont tombés. Mais la population, là, je dis samedi, là, ils ont mangé guêpe, ils ont foncé l'agent de sape, la police, qui a essayé de chercher un coucher fou, quelques soldats, Bouddha, qui a envahi Léogane, plus précisément dans la zone, la colline, Dimi. Eh bien, nous, comme on a dit, dans mon appel, la police, nous, on a essayé de connaître qui s'est passé, qui résultat, combien de cas tombés, et bien, par rapport avec la population qui a mené dans Léogane. Nous avons dit Léogane, depuis qu'il était dans la ville, il a fait résistance, il ne doit pas quitter Léogane, bah, il m'a dit, mais Jimmy, il faut que nous expliquions notre réalité. Mais si on fait un calcul, après, il y a une frappe Gressier, une frappe Mayani, il y a des déchets pillés, tout ça, il y a tout ça qui est dans le déchet pillé, et bien, il a commencé à pandémie, il a commencé à faire des recettes sur ça, il a dit, essayez de prendre Léogane pour qu'il soit capable d'essayer d'attaquer nous. Beaucoup plus, parce que, et moi, je souhaite, nous souhaitons la police succès dans quatre opérations qui a mené. Mais déjà, Jimmy, et les gens qui viennent nous, il y a plusieurs amis sur déjà, et bien, ils viennent dans en attendant que nous venions venir avec, et bien, résultat et définitif par rapport à l'opération qui a mené, dans le moment, n'a pas été là au niveau commune Léogane. Rapidement, au niveau commune Port-au-Prince, au niveau zone de l'air, nous venons avec l'information pour vous, pour que vous ayez un monsieur dans quatre batailles avec la police. J'ai planté un cocktail molotov sous Chablende. Et bien, monsieur, quand j'ai vu une vidéo, nous avons une photo à la grise, nous là. Et je vais vous montrer, comment monsieur là, il est noir. Quand j'ai vu carbonisé, tant qu'on charbon, et bien, même Pierre du
pas de problème pour ça. Voilà. Non, mais c'est ça, image là, un petit genre choquant vraiment, mesdames et messieurs, n'a pas rappelé justement, et bien c'est même gang ça, qui a fait piège pour la police, et nous t'ai dit, nous t'ai bien précisé que d'ailleurs la police connaît ça très bien, tout service d'intelligence au courant de ça, hein? Et bien oui, côté que monsieur a fait piège, mettant pile piège pour la police, et bien bon, nous moutons photo, on va laisser moutons les, et vite, vite, puisque image là, un petit genre choquant, là, n'a pas parlé de barbecue, et bien monsieur là, monsieur qui était barbecue derrière. Monsieur qui était barbecue derrière, en façon pour nous dire que tout col boulet, l'a fait piège pour lancer cocktail et molotov contre la police, eh bien, c'est lui-même qui est victime, mesdames, messieurs. Nous prenons le bon tour photo là dans quelques secondes. Est-ce que qui est ce monde ça exactement? Qui est ce bandit ça? Qui est ce gauche chef ça? Et qui prend un propre piège là? Nous gagnons. Nous avons dit que c'est pas des ça non c'est des qui même t'a dirigé dans rue là au niveau et bien zone barbecue qui t'a dirigé au niveau zone Belair qui t'a battre la police et bien c'est quand gagné là ouais avec du feu et bien après mon ami t'a pété mais quand vraiment grave donc même monsieur capable même possible pour pas arriver sauver par quoi Jean monsieur et de toute façon partie encore à nous de regarder comment ça les même. En tout cas, mon cher, image à tout choquant, man, image à tout LED. Et c'est ça, ou quand on a des logos en mousse au poulet, je suis capable d'utiliser et thème ça, logos en mousse au poulet qui, comme si, qui boule, cancani là. Et bien, c'est exactement ça. Et puis, nous disons, mesdames, messieurs, prenez responsabilité, nous. Hein, parole, gain pouvoir, nous disons la nature, prenez responsabilité. Nous disons la nature, prenez responsabilité contre tout le monde qui a crasé le pays, ou même capitaine des nouvelles là, qui sont gangs, costumés, qui a baisé à munitions. Nous disons sans filtre. N'a pas de la nature pour faire crise cardiaque, pour même mourir, pour quitter le pays, ça a fonctionné. Je dis à la, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire la paix avec personne. Depuis ces gens qui ont crasé le pays, ça, mesdames et messieurs, éternellement, les gens ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre longtemps. C'est pour commencer à tomber, c'est pour le pays capable de vivre, pour les jeunes garçons capables d'évacuer l'occupation. Je nous dis, trop de crimes dans le pays, ça, trop de sitirance, mesdames et messieurs. Pauline, c'est l'âme, Léogane, qui est actuellement là. Police même y a cherché dans tous les coins quelques membres gang ou bayo qui déployé dans zone et avec cap santé pour population d'assaut. Et dit mais toujours être pendant nous dans l'information opération la police nous connaît là hier. Nous connaît là hier vendredi a gagné et la police s'est déployée au niveau de la commune de Croix des Bouquets. Commune Croix des Bouquets nous connaît côté qui gagne comme chef taïd c'est l'ambassade Sanjou qui a dirigé zone ça. Et nous la police est arrivée et remporté succès par rapport avec poté bouté fait côté que l'ambassade a construit un mur au niveau de la route nationale numéro 8 mais la police est arrivée démoli écrasée et démoli rapide était mis ça et monsieur te mettait pour empêcher Chablain de capable accéder à zone là et ben nous cap dit non mon pas là jeudi samedi là situation variée elle dit situation variée qui s'est passé monsieur et bandi même yo visualiser là yo calculer yo font l'autre calcul côté que mon pas là monsieur arrivé fouiller plusieurs gros tout et ben actuellement là route nationale numéro 8 là et bon on va faire la police mes informations que n'a pas pour la force de l'autre faire en pile précaution parce qu'il y a un gros tout qui fouillé, gros tout monsieur qui est caché, et bien lorsque ça vient d'apparaître pour qu'il soit capable de tomber dans tout. Donc il est conseillé aux agents policiers d'appliquer beaucoup de prudence dans leur mode opératoire pour éviter et le pire parce que en ce moment là, et alors, fallait à nous parler de ça, Jimmy. Nous demandons pour qui ça, policiers, ils ne peuvent pas commencer, ils ne pas arrêter de l'air pour être capable de plus classer de l'air avant, avant de l'autre zone, le pour ça qui s'allie, Jimmy. La petite fois qu'il y a, pendant qu'on opère Belair, c'est pas seulement M. Belair qui a ouvert avec eux. Mais toute l'autre base qui a boué les soldats, qui a boué les munitions, M. Belair qui est capable d'affronter la police. Et bien après, il faut l'autre calcul qui dit, il y a tout ensemble. Mais c'est ça. Ils ont décidé de déployer en bas la ville à l'encontre. Les gens ne viennent pas, les base, si la ville ne vient pas au niveau de la zone, après, c'est même arrivé des résultats avec un agent policier qui est tombé. Donc actuellement là, il y a une opération au niveau et greffé les organes. Donc même M. Grécy, ça a conduit une bague qui me presse coup de main, et bien c'est raison ça qui explique la police décide, au lieu qu'ils attaquent zone par zone, et là aussi présente ça, bien dans la zone, je dis, ben au moins, ils sont tous ensemble, ils vont mettre tout en difficulté. Pendant qu'ils sont personne en difficulté, et bien, alors que l'autre monsieur était libre, et bien l'État, pendant qu'ils attaquent, ils ont empêché de bague coup de main. Donc c'est raison ça, pas oublier, monsieur, c'est policier, oui, il y a une stratégie, pas oublier, il y a une opération, il y a une stratégie par eux, nous-mêmes qui parlons, qui c'est nos gouvernements, nos pétateurs. Et dans commentaire, mais pas oublier, monsieur, mieux placé que nous, qu'on s'en fait. Moi, je m'en dis, on quitte le monsieur de travail, et nous souhaitons succès dans quatre opérations qui ont mené. Pour qu'on puisse libérer là, oui, pour maman, qui travaille, sachez la vie, pour qu'on puisse mettre l'école. Jusqu'à présent, l'école là, annoncé le 1er octobre, jusqu'à présent, il faut qu'on être clair. Donc, la police, mon genre, libérer là, il y a des gens qui sont capables de chercher la vie pour mettre le petit monde à l'école. Le réponse d'où? Monsieur, ça a une stratégie. L'attaque aux zones, ça a fait, il y a toujours un enfant à aller. Ouais, immédiatement, qu'on attaque
puis à la fois chaque fois nous pas pour aller envoyer un fort peut-être c'est une stratégie ça la police utilise qui attaque à la fois plusieurs côtés parce que gros époque donc pour attaquer Belin et on est grave dans le village de Dieu on est un fort pour Belin on a immédiatement tout mettre dans le village de Dieu dans bataille par eux et pas que pour envoyer un fort et c'est ça que ça la police utilise pour tout monde qui croit c'est cas après cas de jeune après jeune qui ont fait on qui croit tout son bombard en même temps l'attaquer il attaque en même temps et pas que quand les savoir de nous encore venir parce que c'est comme ça il fonctionner et ça quand nous on fait balle dans la ville quand on a joué la bruit on fait tout ça mais l'attaque à la fois bon côté que on croit que il cabaille résultat Jimmy. Voilà, monsieur, pendant que nous parlons là, et nous poursuivons, parce que nous disons que c'est l'opération qui a mené. Pendant que la police a mené l'opération dans une zone, Bandio, même à attaquer dans l'autre zone, tout, il faut nous dire la vérité en tout. Et nous avons une alerte qui lance là, monsieur. Une alerte qui lance, c'est WhatsApp nous. Et une alerte qui a peine lancé là. Et semble-t-il que c'est monsieur Grand Avignon qui a mené l'opération beaucoup de paroles pour ne pas dire cap crasé, brisé. Oui, et ah bon, ça fait à peu près presque une heure. Oui, alerte pour Magloire Amboise, monsieur. Et prends info ça pour nous, s'il vous plaît. Ça nous dit oui Magloire Amboise. Oui, je dois pas passer. Oh oui, vous avez dit, vous dites Magloire Amboise, ça passe. Vous connaissez, il n'y a pas attaqué, il n'y a pas en barrière la lettre. Les attaqués pas en barrière la lettre, et tout en bas, bloc portail, côté que les bons fédés, non. Ça n'a pas fait, il y a déjà qu'à vous faire là, non, mais vous. Je pense que c'est pas un cas, il y a déjà qu'à vous faire, non, mais vous. Ça peut être glissé, puis rapide sur Magloire Amboise. Souvent, si vous êtes capable de faire la police, quitter en barrière la lettre, pour vous montrer l'une des rois en roi, pour quitter zone en bas, tout fait, qui parle à la village là. C'est ça que ça, les gosses utilisent là, c'est ça que vous attaquez Magloire Amboise. Mais quand vous Magloire Amboise, c'est pas un jour, j'en ai pas attaqué. Presque chaque jour, presque chaque soir, mon Magloire Amboise a pris le monde, battait ça. Et vite, il est toujours battait ça, mais il a fouillé quand même dans tout bloc là, Riel Van, Riel Chavan, Riel Roi, Nicolas, tout ça. Et c'est ça, puisque la police en barrière là, à coup de l'on là, il y a pas si pas qu'à faire, parce qu'il y a déjà nommé déjà, il y a tout glissé descendre pour Magloire Amboise, pour faire la police piquer en bas. C'est ça, il a utilisé là, on ne sous comprend ça, ça déjà, et Léonel. Monsieur, non, mesdames, messieurs, nous, vous mettez 10 faits, hein, 10 faits. Vous mettez 10 faits, ça veut dire que, quand ça a boulé là, c'est pas qu'il y a un oligat qui a boulé dans nos zones là. Par contre, qui est oligat qui était dans nos zones ça, mais c'est quand il y a un malheureux, madame Sarah qui a boulé. Et je pense que nous comprenons ça. Par contre, nous allons prendre une réaction également. Et Salomon, et Lionel. Je pense que Jimmy, depuis que je me dis, je bien saisi. Et pour quitter Hollande pour aller au Jersey, pour payer $50 américains aller-retour. 1000 quelques kilomètres, pour quitter au Kaila à 100 quelques kilomètres, il peut être coûté $200 américains. N'agardez pour nous, qui est ici à la base de tout ça qui a passé. Parce que chaque fois que je me regarde, je sens que si je me mets à eux, il y a un monde qui a protégé, il y a une réalité que je ne peux pas maîtriser. Non, dans la mesa, quand je me balle, quand je me gagne, toute la journée, je me mets à la police. Oui, non, il y a un maître. Et la police lui-même, la police, il y a un autre monde qui a parlé dans le vol, qui n'est pas haïtien. Parce que c'est ça pour nous maîtriser. Et parce que nous ne pas maîtriser, on a fait commencer à parler. Bandit est bon maître, et même bandit, c'est lui-même qui met la police. Et il fait avec objectif pour réduire la masse défavorisée, pour prendre le pays à tout le monde. Attends, pour qui ça, la police qui est maître, et bandit qui est même maître. Ça fait, ni la police, ni bandit ça, pour une fois pour toutes, vous ne comprenez pas que je dis là, c'est Haïti. Pour qui ça, ça va mettre 10 faits et empêcher malheureux et venir investir dans le pays. Pour qui ça ou pas comprendre là, je veux dire là? Tout ton parler de ça. Tout ton oui, voilà. Parler de ça. Mais ton dit que ça me devrait dire. Les policiers, pour que tu aies un meilleur état de sécurité. Mais chef de la police là, c'est l'ambassade américaine qui mette. C'est ça que vous nous retenez. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion. Nouvelles sur Haïti et le reste du monde, nous sommes le choix idéal. C'est parti! Et c'est pourquoi j'aime la définition que quelqu'un a donnée de l'évangélisation. Ils ont dit que toute l'évangélisation consiste en un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. C'est tout ce qu'est l'évangélisation. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat, vous n'avez pas besoin de mémoriser les Écritures, vous n'avez même pas besoin d'être capable de répondre à toutes les questions qu'on vous pose. Ce n'est pas votre travail. Vous n'êtes qu'un mendiant qui dit à un autre mendiant comment trouver du pain. Alors, terminons ici. Les gens qui sont pauvres en esprit ne se vantent jamais de leur bonté. Ils implorent le pardon pour leur méchanceté. Alors, Nancy de Moss-Wolgemuth, c'est une bonne amie à moi. Elle a décrit la différence entre les gens qui déclarent faillite et ceux qui ne le font pas, les gens qui sont fiers et les gens qui sont brisés.
Je vais mettre quelques-unes de ces choses sur l'écran et je ne veux pas que tu sois honnête. Je veux juste que tu fasses ça. Je veux que tu te catégorises. Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même. Tu n'as rien à me prouver. Tu dois te prouver quelque chose. Alors, elle dit, « Ok, laisse-moi te dire la différence entre les gens qui sont fiers et les gens qui sont brisés. » Voici ce qu'elle a dit. Les gens fiers se concentrent sur l'échec des autres. Les gens brisés sont submergés par le sentiment de leurs propres besoins spirituels. Les gens fiers méprisent les autres. Les gens brisés estiment que tous les autres sont meilleurs qu'eux. Les gens fiers gardent le contrôle et les choses doivent aller comme je le souhaite. Les gens brisés abandonnent complètement le contrôle à Dieu. Les gens fiers doivent prouver qu'ils ont raison. Les gens brisés sont prêts à renoncer au droit d'avoir raison. Les gens fiers sont fiers de ce qu'ils peuvent faire pour Dieu. Les gens brisés savent qu'ils n'ont rien à offrir à Dieu. Les gens fiers ont du mal à dire, « J'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. » Les gens brisés sont prompts à admettre leur échec et à demander pardon. Les gens orgueilleux se comparent aux autres et pensent qu'ils méritent d'être honorés. Les gens brisés se comparent à la sainteté de Dieu et ressentent un besoin désespéré de miséricorde. Les gens orgueilleux ne pensent pas avoir de quoi se repentir. Les gens brisés ont une attitude de cœur continuellement tournée vers la repentance. Alors, laissez-moi vous dire à quel point Dieu est bon. Dieu est si bon. Dimanche dernier, si vous étiez là, nous avons fait la Sainte Cène. Et je viens de prêcher sur la mort de Jésus. Maintenant, nous le faisons environ 4 ou 5 fois par an. Donc, nous avons terminé le message, nous avons terminé le dernier chant. Et je suis sorti par cette porte pour retourner à la table là-bas. Et un jeune homme de 21 ans, nommé Chris. Je ne l'avais jamais vu auparavant. C'était là. Première fois qu'il venait dans notre église. Il m'a attrapé là-bas à cette porte, m'a attrapé par le bras, « Je dois te parler. » Et j'ai dit, « D'accord. » Nous sommes sortis, sommes allés à ma table. Il a dit, « Je suis juste loin de Dieu. » Je lui ai dit, « Parle-moi de ton parcours spirituel. » J'ai quitté l'église il y a longtemps, et il m'a raconté une petite histoire. Il m'a dit qu'il était venu avec sa tante qui fréquente notre église. Et je lui ai dit, « Eh bien, Chris, laisse-moi te poser une question. » J'ai dit, « Allons droit au but. » J'ai dit, « Sais-tu avec certitude que si tu devais mourir aujourd'hui, tu irais au paradis ?» Il a répondu, « Absolument pas. Je n'en suis pas sûr. » J'ai dit qu'il y avait environ 8 ou 9 personnes qui attendaient de me voir. J'ai dit, « Eh bien, Chris, pourrais-tu juste m'en donner quelques-unes ?» Il vit à Anderson, en Caroline du Sud. J'ai dit, « Pourrais-tu juste m'accorder quelques minutes ?» Laisse-moi rendre visite à ces gens et pourrais-je m'asseoir et parler avec toi ? Il a dit, oui. Alors, j'ai rencontré ces gens et nous nous sommes assis sur l'un de ces canapés là-bas autour du pilier. Et j'avais ma meilleure carte d'information. Je ne l'ai pas. Je l'ai, mais je la sais dans mon esprit. Alors, j'ai dit, Chris, je veux partager avec toi la meilleure nouvelle que tu entendras jamais dans ta vie. C'est si doux, parce que ça n'arrive pas très souvent comme ça. Il a dit, « Ok, je veux l'entendre. » Et j'ai dit, « Eh bien, avant de pouvoir partager avec toi la meilleure nouvelle, je dois partager la mauvaise nouvelle. » Il a dit, « Quelle est la mauvaise nouvelle ?» J'ai dit, « La mauvaise nouvelle c'est que tu es un pécheur. Tu as brisé la loi de Dieu et tu as brisé le cœur de Dieu et tu es séparé de Dieu. Je veux que tu m'écoutes attentivement. » C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit d'autre. J'allais le dire. Et je veux te dire que c'était comme si le robinet s'était cassé. Quand je te dis qu'il ne pleurait pas, il sanglotait. Il tremblait, il tremblait. Et plus j'y réfléchissais, plus la mauvaise nouvelle, la pire nouvelle, sa douce tante lui donnait un mouchoir. Il était trempé. Quand je te dis que les larmes tombent sur le sol, on pouvait l'entendre comme la pluie qui tombe. Et je regarde ce jeune homme de 21 ans déclarer faillite spirituelle sous mes yeux. Et je suis arrivé à la fin de l'évangile, la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle. Veux-tu demander à Jésus d'entrer dans ton cœur ? Il a dit, plus que tout au monde. Et certains de nos employés se tenaient sur le côté gauche du hall. J'ai dit, et les gars, venez et amenez tout mon personnel. Parce que je voulais qu'ils voient ce que j'ai vu.
je voulais qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Et je n'ai pas vu un enfant dire une simple prière. J'ai vu un enfant monter sur le béton brisé et marcher jusqu'à un pied d'une croix et admettre au Sauveur du monde que je n'avais rien à offrir. Je n'ai rien à négocier. Je vous demande simplement de faire pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. Quand il a prié et donné son cœur à Jésus, il n'avait pas plutôt demandé à Jésus d'entrer dans son cœur. Il m'a attrapé, il m'a serré dans ses bras, a trempé ma chemise de larmes, ce qui était si doux. Il a dit, ma vie ne sera plus jamais la même. Et j'ai dit, tu as tout à fait raison. Tu sais pourquoi? Tu es entré ici en dehors du royaume, tu vas sortir à l'intérieur du royaume, parce que tu as déclaré une faillite spirituelle. Il y a un autre jeune homme, j'ai eu sa permission. Il est dans ce service. Tu ne sauras pas qui il est. J'étais là-bas, prête à venir à ce service et quelqu'un l'a amené vers moi et s'est présenté. Il vient d'emménager ici il n'y a pas longtemps, dans cette partie de la ville. Si j'étais venue à notre église. C'est un jeune homme adorable. J'ai commencé à lui parler. Je lui ai demandé ce qui t'a amené ici. Il m'a répondu, je viens d'emménager ici. Et il a ajouté, je suis loin de Dieu. Je suis loin de l'église. Je lui ai demandé s'il savait avec certitude que si tu mourais aujourd'hui, tu irais au ciel. Il m'a répondu, non, je ne sais pas, il m'a répondu, en fait, je suis arrivé à 10h. Je pensais que le service commençait à 10h. Je suis arrivé en retard, donc je ne reviens que du deuxième service. J'ai demandé, eh bien, pourquoi ne pas, avant d'entrer, partager quelque chose avec toi? Il m'a répondu, oui. J'ai demandé, voudrais-tu savoir avec certitude que lorsque tu mourras, tu iras au ciel? Voudrais-tu être différent? Il m'a répondu, oui. J'ai vu un membre de notre personnel. Et là, ce jeune homme a prié et a donné sa vie à Christ. Il est entré en dehors du royaume. Il va sortir à l'intérieur du royaume, parce qu'il a fait la chose que personne ne croit que vous devez faire. Il vient de déclarer faillite spirituelle. Voici ma question pour vous et ceux d'entre vous qui regardent en ligne, avez-vous déjà fait cela? Parce que voyez-vous, il y en a parmi vous ici en ce moment, au fond, et voici ce sur quoi vous comptez. Je vais au ciel parce que j'ai été baptisé, parce que je vais à l'église, parce que je suis une bonne personne, parce que je crois la Bible, parce que je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela, je n'ai jamais fait cela, je n'ai jamais fait cela. Et vous savez ce que Dieu dit à ce sujet? Zéro. Vous n'avez rien à m'offrir. Rien. Et je n'essaie pas de faire douter qui que ce soit. Je vous pose simplement une question honnête. Comprenez, vous n'aurez jamais les richesses du ciel tant que vous ne déclarerez pas faillite spirituelle. Donc, vous pourriez le faire maintenant. Vous pourriez simplement, pendant que vous êtes assis là, pendant que vous regardez en ligne, vous savez ce que vous pourriez faire maintenant, vous pourriez simplement dire à Dieu, vous pourriez dire à Jésus maintenant, « Je viens à toi en te disant que je suis un mendiant. Je suis totalement ruiné. Toute ma bonté n'est que chiffon souillé devant toi. Je ne suis rien sans toi. Mais je crois que tu es mort de mes péchés. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es vivant en ce moment. En ce moment, je vais me repentir de mon péché et m'en détourner. Je t'avoue que je ne suis rien sans toi et que je n'ai rien sans toi. Et aujourd'hui, je te demande d'entrer dans mon cœur. Sauve-moi, pardonne-moi, deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur.